Salut mon gars, chaque semaine Passy Bet retrace la carrière d'un footballeur et cette semaine on s'intéresse à lui. Tu l'as reconnu, c'est Dembaba, le héros malgré lui de la rencontre PSG-Başakşehir. C'est lui qui a incité les joueurs à quitter le terrain après les propos racistes du quatrième arbitre. Et donc c'est lui qui s'est levé, qui a été défendre son entraîneur adjoint. C'est lui qui a expliqué la situation aux joueurs et aux spectateurs, aux téléspectateurs. On peut dire tout simplement que c'est un tournant majeur de la lutte contre le racisme dans le football. You never say this white guy, you say this guy. So why when you mention me, listen to me, why when you mention a black guy, you have to say this black guy? Une attitude qui n'est pas surprenante venant d'un joueur souvent au premier plan dans la lutte contre le racisme. En 2019, septembre 2019, il avait défendu Lukaku visé par des cris de singe à Cagliari et visé également par un communiqué scandaleux de l'Inter Milan. Et Dembaba avait expliqué que c'était la raison pour laquelle il ne voulait jamais signer dans un club italien. Autre exemple de l'engagement du buteur sénégalais, ses prises de position en faveur des Ouïghours et du mouvement Black Lives Matter et plus récemment de l'agression du producteur de musique à Paris. Alors, c'est le moment de découvrir son histoire. Dembaba est né à Sèvres, ses parents sont originaires du Sénégal et il passe sa jeunesse en Normandie, intègre le sport études de Saint-Valery-de-Caux, revient en Île-de-France et intègre l'équipe de Montrouge. Il a 19 ans, il veut absolument devenir footballeur professionnel. Il tente des essais à l'Olympique Lyonnais, à Auxerre, mais on ne repère pas son talent. Jusqu'à l'âge de 18-19 ans, j'étais milieu défensif. Je me suis dit que ce serait pas mal d'essayer de monter de un ou de deux crans et d'essayer de faire des essais en tant qu'attaquant. Mais il n'abandonne pas, il ne lâche pas. Il veut absolument réaliser son rêve. Il part au Royaume-Uni, il tente un essai à Watford en division 2. Et ça va être un essai concluant. Le coach lui fait confiance. Il va participer à des entraînements avec les pros et signer son premier contrat pro. La chance ne lui sourit pas. Son coach est viré. Le nouveau coach en place ne lui fait pas confiance. Il doit quitter Watford. Retour en France. Il passe un test à Amiens. Bon, test non concluant. Finalement, il signe un contrat d'un an à Rouen en CFA. Dembaba ne souhaite pas s'éterniser en Normandie. Il y a des clubs comme le FC Nantes, Lens, Lille qui sont intéressés par son profil. Finalement, il quitte la France direction la Belgique. Il signe à Moucron et lors de ses trois premiers matchs, il claque trois buts. Premier coup dur pour lui, une fracture tibia péronée. Il est éloigné des terrains pendant 8 mois. Et pour son retour, il claque 7 matchs, 7 buts. Des performances qui ne passent pas inaperçues puisqu'il est sélectionné avec le Sénégal. Et pour sa première sélection, il claque un but. Il découvre un nouveau championnat puisqu'il s'engage à Hoffenheim. Montant du transfert, 3 millions d'euros. Il va y rester 4 ans, va jouer une centaine de matchs, marquer une quarantaine de buts, être champion de division 2. Mais aussi découvrir la Bundesliga. Bon, après la situation va un peu se tendre puisqu'il veut quitter absolument son club. Il a une porte de sortie, Stoke City. Malheureusement, le transfert va capoter pour un problème de visite médicale. Et il va un peu bouder et surtout Hoffenheim ne va pas vouloir le récupérer. Il ne va pas vouloir aussi participer à un stage de préparation en Turquie. Finalement, il va trouver une porte de sortie. Et c'est un transfert à West Ham en Première Ligue. L'aventure sera de courte durée, seulement 6 mois, son club sera relégué et il sera même victime d'insultes racistes lors d'une soirée de fin de saison. Un fan éméché, énervé par la saison, va l'insulter. Pas question pour lui de rester à West Ham, direction Newcastle. Et là-bas, il va briller, il va marquer plus d'une quinzaine de buts lors de la première saison. Et surtout, son duo avec Papi Cissé va faire des merveilles. Ce sera l'une des meilleures attaques de Première Ligue. Quelqu'un qui a la tête sur les épaules, qui est bien entouré et puis qui fait énormément d'efforts pour l'équipe. Donc il est récompensé à juste titre. Bien évidemment, des clubs plus huppés s'intéressent à lui et Chelsea sera le plus convaincant. En janvier 2013, il signe là-bas et en fin de saison, il remporte tout simplement la Ligue Europa.
Mbappé va devenir un nom que les supporters parisiens ne vont jamais oublier, puisque c'est lui qui élimine le PSG en Ligue des Champions avec un but dans les dernières minutes. Il ne peut pas frapper, et derrière, oh, quelques tensions avec son entraîneur Mourinho, il décide de quitter Chelsea et la Première Ligue direction la Turquie. Il signe au Beşiktaş et là-bas il va réaliser l'une de ses meilleures saisons puisqu'il va inscrire 27 buts. À la surprise générale, il quitte la Turquie direction la Chine, il signe à Shanghai. Bon bah là il se fait fortement critiquer, tout le monde dit bon bah c'est la fin de sa carrière, il y va pour l'argent, il a dû se justifier. Non, c'est pour un challenge sportif, pour découvrir une nouvelle culture. Et puis un an plus tard, c'est-à-dire en 2016, il est victime d'une fracture du tibia. Il ne compte pas arrêter sa carrière sur cette blessure, il revient fort, il est prêté à Beşiktaş et dès son premier match, il marque. Les supporters sénégalais souhaitent son retour en sélection. Malheureusement, il ne participera pas à la Coupe du Monde 2018. En club, il fera des allers-retours entre Shanghai et des clubs turcs. Et finalement, il signera un contrat au Başakşehir où il retrouvera des anciennes gloires, Adebayor, Arda Turan ou encore Robinho. Voilà mon gars, tu connais un peu plus d'Mbaba, n'hésite pas à liker, partager, commenter et surtout, abonne-toi, pas si bête.